Eh bien, salut à vous et bienvenue dans cette EC Challenge en compagnie de Castor Burberry, oui, s'il vous plaît. Il y a rien entendu là-bas. Incroyable, salut à toi, salut. Castor. Merci de t'être rendu indisponible pour cette saison 2 de l'Eclipsia Challenge. Saison 2. C'est pas dégueu, hein. C'est que le jour où je passe à la cam, hein, j'ai un putain de t-shirt vert. C'est vrai, franchement pas mal. À ma décharge, ce n'était pas prévu. C'est vrai. C'est ma faute, c'est my bad. Alors, saison 2 sur Trackmania, tu as déjà joué un petit peu à Trackmania ou il y a de nombreuses années. Genre okay, sur, comme beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, en fait, j'ai l'impression que beaucoup ont joué il y a 4-5 ans, ouais, je pense. Oui, facile 4-5 ans. D'accord. Et depuis, ben, plus trop. Et donc là, ouais, non. Enfin, je sais avancer, je sais reculer. Okay. Je peux même plus la touche sur laquelle il faut appuyer pour venir au dernier checkpoint, tu vois. Ok, eh bien écoute. C'est espace, non ? Je vais te montrer tout ça parce que tu as 3 minutes sur une carte de test. Ah! Je te laisse. Ah, c'est bien ça. Je te laisse gérer. Donc, tu as les flèches directionnelles. Bien sûr, oui. Pour contrôler ta voiture. Tu as cette touche ici pour revenir. Ah, donc c'est backspace. Voilà. Backspace, voilà. Pour revenir en arrière. Delete. Recommencer la carte 2-0. Et le gars, il est en train de manquer autrement que les 20 secondes, tu as déjà le mec. Donc là. Non, mais de toute façon, c'est une carte de test. Hein. Est-ce qu'il y a des dérapages? Je me souviens plus. Il y a des dérapages. Ou en gros, c'est frein et direction, non, c'est ça? Tu peux freiner, direction. Faut savoir que quand t'es en l'air, tu peux gérer ton saut, freiner. Est-ce que ça c'est une map de l'EC Challenge ou pas? Non, c'est une map de test, tu vois, c'est pour te faire découvrir un petit peu. Ah, bien enculé. Ah ouais. Exactement, c'est voilà, on me demande souvent avant de passer, en mode, est-ce que je peux tester et tout machin, et du coup, voilà, je laisse l'occasion à tout le monde, je laisse 3 minutes. À tout le monde de se refaire la main, chaque manière, en tout cas d'apprendre les touches. Donc, faut bien savoir que les checkpoints sur lesquels tu peux respawn, ce sont pas les grands ronds, ce sont pas les grands cercles, mais ce sont ceux comme celui sur lequel tu viens de redémarrer. C'est ceux qui sont un petit peu aplatis avec un fond bleu. Ah, ça va être laborieux. Hein. Ça va être laborieux. Oh, ça va être laborieux. Non, mais ça, c'est difficile. Hein. Oh, ça va être laborieux de ouf, mec. Ça, c'est complètement difficile. Oh. Ensuite, est-ce que tu te rappelles un petit peu ce que c'est les roues libres? Les roues libres. Alors, les roues Je sais ce que c'est que l'expression être en roue libre, mais. Laisse-toi bien rebondir là, voilà. Voilà. Tu repars. La roue libre, c'est ça. C'est ça, tu passes là-dessus et ton moteur se coupe. Et tu ne peux plus accélérer en fait. Et en gros, tu dois essayer de conserver ta vitesse jusqu'au prochain checkpoint. Est-ce qu'il y en a dans. Il y en a une en fait. Première map, il y en a une. Mmh. Et c'est tout. Donc, Castor, hein. Castor, top 4. 3. Top 4. Saccord a triché. Saccord a triché. Tu l'as toujours mauvaise. Non, franchement ça va. Okay, donc. Ça fait partie du jeu, hein. Je veux dire, voilà, j'étais un des premiers à passer. Holy shit, ouais. Oh là là, ah oui, ça va être laborieux. Hein. Je pense qu'il va être plus laborieux que prévu, ouais. Alors moi, j'ai un objectif, c'est battre la grande gueule de Jibs, c'est tout en fait. Okay. Tant que je fais mieux que Jules, ça me va en fait, tu vois. Genre, après, je vais finir avant dernier. Tant que je suis devant Jules, ça va, tu vois. Genre. C'est l'objectif vraiment de cette saison 2, voilà. D'accord. C'est de battre Jules, voilà. Moi, je sais pas pourquoi, je te sens. Je te sens méga chaud. Ah oui, voilà, je suis chaud de fou, mec. Non, mais franchement, je me suis dit, Castor, c'est bien la tête de celui qui peut gagner. Tu peux encore. T'as encore une trentaine de secondes. Ah, c'est gentil. C'est bien la tête de celui qui va remporter. Ah, tu peux enculer tout le monde, c'est cette Seychelles saison 2, je sais pas. Je te sens bien. Je sais que t'es un compétiteur. Tu as fait top 4 à la dernière saison, donc ça prouve que. Ah bah je suis vraiment trop fort en fait. Mais non, mais voilà, en gros tu sais y faire avec les jeux vidéo. Et on verra ça sur cette saison 2. Bon, c'est complètement n'importe quoi hein, ce saut. Non mais non putain, j'ai envie de battre là. C'est bon. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es chaud? Non. Castor. Mais bon, alors rappelle-moi le principe rapidement. Alors le principe rapidement, 10 minutes par carte. C'est ça. Pour faire le meilleur temps. Mm-hmm. Au bout de 10 minutes, si t'es encore en essai, je te laisse finir ton tour. Tu laisses finir le tour, enfin le try en gros. Le try, sauf que tu ne peux plus revenir en arrière. Oui, je fais plus backspace, je fais plus rien voilà. Du tout. Okay, c'est en gros. Enfin, on peut plus faire le run, quoi, d'accord. C'est ton dernier, c'est ta dernière chance, tu peux plus revive entre guillemets. D'accord, ouais. Et c'est 12 minutes maximum. Oui, d'accord, oui, ok. Voilà. Est-ce qu'on a des temps quelque part ou pas? J'ai des temps, je vais un petit peu te les donner. Alors quand je dis 12 minutes maximum. Si ça dépasse un petit peu, c'est ok. Mais tu commences pas une map à 5 minutes, à 9,59. Allez voilà. Je vois. Ouais. Alors, les temps, un petit peu. On va faire map par map. On va déjà faire la première map tranquillement et voir où est-ce que je me situe. Alors. Enfin, dis-moi, entre guillemets, les temps de la première map, que sont-ils? Les temps de la première map, on a donc. Valouz en 1,37. Jibs en 1,23. Jill en 1,33. Aldé en 2,54.
Chape en une 26. Donc en gros, ah, donc on 23, a Gibbs, 26 en gros quoi. Gibbs devant, ouais. Suivi de Chape, suivi de Valouz. Ok, ouais, okay. Donc 23. Ouh putain, 23 c'est chaud non? Eh bien, on va voir. On va voir. En tout cas, Cassor, je te souhaite le meilleur. Merci à et toi. C'est parti. Ah, putain, allez. Tu peux accélérer, accélère. Parce que sinon, ça se lance pas. Donc, tu as regardé un petit peu les replays. J'ai regardé rapidement les replays, oui. Alors, vu que c'est un petit peu à l'arrache, après tout à l'heure, je me dis, bon, je vais quand même regarder un petit peu la map, voir de quoi il en est. Mais ah, bah voilà, du coup, la fameuse roue libre. Oui, cette roue libre est un petit peu compliquée parce qu'elle est longue. Il y a des virages serrés. Ah, mais je suis encore en roue libre en fait, là, d'accord. Ah, oui. T'es en roue libre jusque-là. Bon, on va quand même finir histoire mais d'avoir voilà, un premier temps. Mais voilà, je te conseille temps, de finir une première fois cette carte. Repérer un petit peu le niveau. Ouais, repérer ouais, putain. Je doute que tu vas aller au bout. je doute que tu vas aller okay, au bout. Ok, d'accord, au moins je... Alors. Trackmania, tu as joué beaucoup. Non, non, c'était très casu. Hein. Ouais, c'était putain, à la fac. Oh c'était là, à la fac, quoi. Non, c'était bien avant la fac, mec. Ah ouais. C'était très, enfin c'était ouais, en seconde, ouais, c'était débullissant on va dire quoi. D'accord. Alors oui, il faut savoir que dans Trackmania, il est préférable de freiner plutôt que de se prendre des murs. Souvent, c'est-à-dire des fois. Oui, ça aide à la trajectoire. Des fois, ça aide à la trajectoire, machin et tout. Mais oh, souvent, putain, c'est plutôt bah, cette roue libre est assez allez, compliquée. Ouais, putain. Surtout que je l'ai même pas capté en fait dans le replay, tu vois. D'accord. Le temps que j'ai, c'est le temps de quoi? C'est le temps de jeu c'est, du coup, c'est, non, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est le meilleur temps que j'ai fait sur cette carte. Ouais, donc en gros, Jules est normalement un petit peu en dessous. Alors Cassor hein, qui va finir cette première fois cette carte. Oh là 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 là. Faut savoir que Valouz, putain. Le meilleur temps de Valouz, c'est son premier try. En gros, il a pas réussi à valider une deuxième fois cette carte. Oh mec, oh, c'est tellement horrible, putain. tu voyais ça plus facile? J'ai perdu la main. Non, pas forcément facile en fait, mais je pensais pas avoir autant perdu la main en fait sur Trackmania, quoi, parce que au final c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Oui et non, tu vois, mais c'est pas. Putain, va bien te faire enculer là. Genre, on c'est... rajoute un peu de sel hein, pour Cassor. Genre, c'est un pas... supplément. Un supplément sel. C'est pas un jeu super compliqué non plus, Trackmania, tu vois, mais mais là, enfin, là, je pue la merde en fait, là, clairement. Hein. Un supplément sel dans tes crêpes. Ah, nice, super. Waouh, waouh. Ça, c'est ah, du temps. Putain, ça, c'est du putain de temps. Oh, les shit. Alors. Oh, mec, c'est impitoyable. Oh non, putain, pas les demi-tours. Oh, je me rends de ça. Ah, ça va, c'est ok ici. Ça a l'air d'être ok. C'est hein. Qu'avant je me fous de la gueule du temps d'Aldé, hein. Enfin, regarde le mien, c'est mec. Hein. Bah Aldé a fini que les deux premières maps. Hein. De saison en saison, tu sais. Allez, Castor qui va valider son premier temps ici sur cette carte. Au moins valider un, quoi. Il sera pas mal, quoi. Et 2 minutes. Alors on apprécie bien sûr le. Comment je vais pouvoir recommencer du coup là? Entrée. Ok. Oula. Ah puis sur pause là, je me fais enculer là. Qu'est-ce que j'ai attends. Fait? Tu m'as dit d'appuyer sur rentrer, j'appuie sur rentrer. Hein. Alors défier d'autres joueurs, machin, envoyer le score par lien, je suis fait. Ok, t'en fous. Ok. Oui, c'est moi qui ah. Un Jules qui nous rappelle allez, quand c'est même, hein, c'est vraiment triste de s'énerver sur un jeu vidéo. Hein. Exactement, c'est vrai que c'est quand même foutrement triste. Hein. Alors, pour l'instant, tu es devant Aldé. Et c'est tout. Pour l'instant, tu es seulement devant Aldé. Faut savoir que tu es le 6ème à passer, hein, si je dis pas de bêtises. 2, 3, 4, 5. Voilà, tu es le 6ème. Ah putain. C'est compliqué cette roue libre. Faut savoir que Valouz a tellement retry un nombre de fois improbable sur ce sur cette roue libre. Qu'il a fait one shot, non enfin, qu'il a fait qu'un seul temps. Ouais. Ah, on verra la technique hein, qui va être ajoutée de la part. De Cassor, t'es déjà pas mal en retard. Oh, t'es déjà pas mal en retard. Après, il va essayer de s'habituer un petit peu au reste de cette carte. 1 minute 30, c'est à peu près le temps hein, qu'il faut pour valider cette carte. Oula, c'est compliqué. Ouais, putain de fils de pute. Comment on fait pour commencer là? Supprimer. Ah là, putain de merde. Décidément, beaucoup de sel hein, de la part de Cassor. Tu préfères manger tes crêpes sucrées ou salées toi? Oh, sucré. Là. Sucré ah ben, tu... À mon avis, c'est parce que tu possèdes déjà assez de sel en toi. C'est trop drôle. Alors, tu visais de battre Gibbs.
ça va peut-être être compliqué. Un peu compliqué là, ouais. Une 23, c'est un bon petit temps. Est-ce que Jules Dupe est un tryharder de... Ah, tu peux aussi faire 1, 2 ou 3 avec le pavé numérique pour changer la vue de ta voiture, si jamais t'en as envie. Voilà. Ça m'a l'air pas mal là, pour cette... Attention, 3 secondes, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour cette roue libre. Attention, est-ce que Castor va réussir à prendre un temps ici? On va voir. Allez, donc, si son virage, il perd encore un tout petit peu de temps hein, sur mon temps, tout simplement. Ah. C'est pas mal ça. Ça paraît oh, pas mal. Ça c'est pas mal ça. Oh, très bonne réception hein, de la part de Castor. En 2,89, à mon avis, ça, il va perdre un petit peu de temps peut-être ici. Attention, le demi-tour qui va être orchestré de la part de Castor, ça retombe pas mal. Ça retombe pas mal. Allez, on va voir ici au niveau de ce checkpoint. 3 secondes, tu as perdu un tout petit peu de temps. Mais là, tu m'as l'air très très bien parti. Hein. Peut-être pour faire un temps sur cette map de l'explosion. Je vois Castor qui se tient les lèvres ici. Attention, 2,60. Oh, attention. Attention, peut-être le temps de Jims qui va être battu, attention non. Oh putain, bon allez. 24. Une 4-27-7. Une 24-27. Une 24-27, tu es derrière Jims. Allez, là c'est bon. Il a fait combien, Jules? Attends, une 24-27, c'est ça? Ouais. Alors, Jules a fait une 23-85. Jules a fait une 23-85. Allez, Castor. Avec Castor ici, assez rapide peut-être pour cette roue libre qui est pas mal. Tu as déjà gagné à une petite seconde sur ton temps de tout à l'heure. Gips est content. Il lâche un petit haha. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, Gips? Oh, je vais enculer, mec. Tu vas la voir. Attention ici, hein. Tu as beaucoup freiné, tu as peut-être perdu un petit peu de temps. Allez, normalement, tu touches pas de mur ici, attention. Castor qui ne va pas heurter le mur. Castor qui passe en 1,32. En 1,32, il est déjà une seconde devant son temps hein, de tout à l'heure. En sachant qu'il est juste une seconde derrière le temps de Gibbs. Ça promet ici, attention, le demi-tour qu'hier, qui est peut-être un petit peu trop. Ici, on va voir hein, s'il a réussi à gagner encore du temps. Castor, il te reste 3 minutes pour faire le meilleur temps sur cette carte. Tu as l'air déterminé, tu as l'air concentré. On voit, hein, tu tires la langue. Est-ce que Castor va réussir à le faire? Attention, il reste que quelques secondes avant de pouvoir peut-être battre le temps de Gibbs. La dernière ligne droite, il a touché le mur. Il a touché le mur. Le mur de... Oh. Il a fait combien? Attends. Il a fait combien? Il a fait combien? Attends. On a... Il a fait combien? Attends. Touche à rien. Il a fait combien? Il a fait combien? On a 2,23,30 de la part de... Il a fait 23,30 aussi? De Castor. Et on a deux... On a une... 23,85. Allez, là, je te baisse là. Castor qui prend le premier Je te baisse tellement, Jules. C'est détendu là. Oh, le petit mur à la fin, mec, il a tellement failli me mettre. 23,30. Hein. Eh, c'était compliqué là. C'était compliqué. Et Castor hein, qui prend le premier temps directement. Tu vois, je te l'avais dit. Moi, je te vois top 3. Je te vois top 3 ici dans cette stagiale. Oh, le petit mur à la fin là qui me baisse de quelques secondes là. Bon, et Valouz qui est en 1,37,77 normalement. Oh merde! Là. Et ça recommence. Ouais, on va le recommencer une dernière fois. On doit avoir une dernière fois. Il reste 1 minute 50, enfin 1 minute 45 là. Alors. Là, tu vois, moi je te sentais bien là sur cette chale. Castor, hein, top 4 sur Super Mario Maker. Peut-être un podium aussi sur ce Trackmania. Ouais, attends, de toute façon là. Okay, il me faut le run parfait là. Allez, Castor qui va aller chercher encore. Du temps sur son sur son chrono simplement parce qu'il y a du monde encore qui va arriver pour cette Sechal. On n'a pas eu Quev, on n'a pas eu DFJ, on n'a pas eu LRB, on n'a pas eu pas plein de monde encore. Enfin, là grossièrement vous êtes que 6 pour l'instant, toi tu es le 6ème à passer. On n'a pas eu Oliège, hein, je crois. On n'a pas eu Oliège, on n'a pas eu Jules, on n'a pas eu Brigus, c'est étonnant ça. C'est étonnant ça. Oh putain. Allez, allez. Peut-être faire un truc là. Je pense qu'on peut faire un truc là. Tu penses que tu peux faire un truc? Ouais, bien sûr. Ah merde. Dans le cas, je suis toujours devant pour l'instant. Bon, même si je suis hors concours, hein, mais. Attention.
à mon avis, tu perds un petit peu de temps là déjà sur le record. Mais tout à l'heure, tu as fait des erreurs sur la fin. Attention, le demi-tour. À mon avis, il y a du temps hein, à gratter sur ce demi-tour. Je reste beaucoup en l'air, beaucoup trop de temps. Allez, 2,59. Une 23,30 à base. À mon avis, tu as été plus rapide tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, dans un instant, ça m'a l'air kiff. Attention, est-ce que tu vas te prendre le mur ici? C'est ce qui t'a fait perdre un petit peu de temps. Attention, le virage à la corde. Et non, c'est trop loin. C'est trop loin. Bon. Et 10 minutes. Voilà, c'est fini. Ça te va, content de ta performance? Ah oui, quand même, je battu Jules. Hein, donc ça va. T'as battu Jules, ça te va? Oui, mais tu as battu Jules. Mais est-ce que les autres derrière ne vont pas te battre? C'est ce qu'on verra. Je sais pas. Autant Quev là me fait pas trop peur en fait. Bon, alors là, autant sur Super Mario, je partais battu d'avance. D'accord. Autant Quev là me fait pas trop peur. Alex et Sakor, je sais pas du tout en fait. Je sais pas du tout s'ils ont joué, mais du coup là, je sais pas. Je me dis que là, top 3 c'est bon, tu vois. Enfin, sur la map, en tout cas, entre guillemets, déjà top 3, d'accord, je pense l'avoir, tu vois. D'accord, ok, mais... c'est ce qu'on va voir. En tout cas, on te le souhaite. La deuxième map, merci, un petit peu plus longue. Je ne même plus, putain. D'accord, un petit peu plus longue. Ouais. Et je te souhaite bonne chance en tout cas. Cher Cassor, est-ce parti? Est-ce que tu peux me donner les temps aussi au fur et à mesure? Alors, les temps, les trois meilleurs temps de cette deuxième carte. Alors, on a Valouz en 3,02, Gibbs en 2,39, Jill en 4,40, Alderiat en 8 minutes, Chap en 3 minutes. Donc là, le meilleur temps, c'est encore Gibbs qui l'a en 2,39. Ah, elle est pas mal, Gibbs. Il s'est mis bien. Oh, la map aussi d'avant, il s'était mis bien. C'est vrai, c'est vrai. Alors cette map est compliquée parce qu'il y a beaucoup de boosts et de freins et de machin. Attention, Cassor qui est devant. Merci. Devant sur ce premier try, ça m'a l'air pas mal. Du coup, j'ai vu sur ta vidéo que l'arrivée c'était le truc que je supportais le moins avant dans Trackmania. C'est vrai, les arrivées en l'air. Je supporte pas en fait. Ça voulait pas, tu vois. Dans... 1,84. Et mec, t'es bouillant. Mec, t'es bouillant. Oh ta mère là. Oh putain. Ah, clairement, là, c'est sorti. C'était spontané. Hein. Attention, Cassor, son premier try ici. C'est que, hein, c'est parfait là, genre déception hein, pour Cassor. Alors, tu m'as l'air vraiment en jambes hein, là sur ce Trackmania. Franchement, je reste sur mon prono, je reste sur potentiellement un top 3, voire un top 1 pour toi. Je sais pas. Sur cette, je me sens déjà plus à l'aise de Trackmania parce que mon Trackmania, entre guillemets, je l'ai saigné, enfin j'ai pas saigné mais j'aimais bien jouer tu vois. D'accord. Mario en fait c'est que j'en ai fait beaucoup des Mario aussi mais ben, là ben, Mario Maker entre guillemets c'est... Enfin j'ai du mal à expliquer parce qu'en final ça reste la création de map sur les deux trucs tu sais. Ouais. Mais genre Trackmania c'est... Enfin... Tu peux pas te faire enculer, t'as pas de random truc qui va sortir d'un coup. Okay. Ça c'est ce que tu un mauvais champignon, un truc comme ça tu vois. D'accord. Et autant Trackmania, enfin c'est entre guillemets Trackmania c'est de la maîtrise tu vois je trouve. Mario aussi, enfin j'ai du mal à exprimer à trouver mes mots en fait mais genre... Et ouais, déjà 53 centièmes, hein, devant mon temps, attention. Cassor faut pas se louper ici. Moi oh, j'ai freiné en l'air comme un con, oh, putain ça passe. Cassor qui a freiné en l'air et ça passe. C'est où là? Ah, allez c'est par là, tu l'as vu. Je suis perdu mec, hein, genre, ok. Et oui, hein, toutes les VOD sont dispo sur EC Familia, donc la chaîne YouTube. On a également eh bien, le 7 challenge, ça se passe tous les midis. De 13h à 14h hein, sur... Oh là 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 là, Maras. Allez, on a une sortie de route hein, là pour Cassor. Ça va lui faire quelques petites secondes. Mais il faut valider cette carte une première fois en tout cas. Après, au moins choper les points minimum. Alors. Alors attention, Cassor il est concentré. Et il accumule quelques secondes de retard là. 4-5 petites secondes. C'est quoi le temps de Jules de nouveau? Alors le temps de Jules c'est 2,39 je crois. Oula oui. Euh, 2,39-19, il est pas mal. Vraiment il est pas mal. Oh ça retombe sur... Allez l'axe, oh, mais putain. Ouais, c'est compliqué hein, l'herbe. On peut pas remonter.
Alors, est-ce que Cassor va réussir à remonter? Elle a chopé un petit crochet ici. Oh God. Avec 15 secondes hein, de retard accumulé pour Cassor. 2.39, c'était le temps de Gibbs. Et Cassor est déjà à 2.39, donc son premier temps derrière Gibbs. Mais c'est déjà un très très bon temps. Ah oui, je suis à la fin en fait là. Et là, tu es à la fin, attention. Ah oui, mais je l'encule en fait, on m'a sorti de 2.45. Ah oui, ah non, oui, non, mais oui. 2 minutes 45, c'est donc le temps de Cassor. J'ai pas vu, c'était 2.45 combien. Bon, si le chat peut me le dire, s'ils ont noté. Du coup, il était à 2.39, Jules, et le deuxième à combien? Le deuxième, c'est Valouz, 3.02, je crois. Ah oui, d'accord. T'es confiant là? Et là, tu prends le deuxième temps là déjà. Bah oui, avec une sortie de route de mort de 20 ans là, mec. Alors. Ouais, salut. 5 cuts. Bonjour, voilà, merci, au revoir. Bon, je perds un peu de temps encore, hein, mais bon, on va quand même la. On va quand même la travailler. Genre, avant, j'ai perdu pas mal de temps sur plusieurs conneries de suite, dont l'énorme quand je partais dans les sapins. Là. Mais donc là, ouais, non, enfin, en tout cas, j'ai que 6 secondes à rattraper. 2.34 il a fait pas plus. Hein? Non mais l'Ultimiton, hein, mec, il est complètement bourré là. 2.34, moi j'ai 3.02 vol. Tu sais que les enfêtes qui prend pour son genou, mec. Hein. Après, si t'as le replay, tu me le montres tout à l'heure et on négocie un Valou. Alors, Cassor hein, qui va tenter de battre un temps ici, oh, malgré qu'il est, qui s'est retourné dans le looping. C'est une technique, c'est une technique. De mon souvenir, ça dérapait pas autant la boue, mec. Ah, ça peut être changé. Je sais pas. Moi, j'ai très peu joué à Trackmania. Je sais même plus lequel Trackmania, auquel Trackmania j'ai joué, mec, hein, pour te dire hein, le nom. Donc, Et Cassor, hein, qui est proche de 2.28, hein, qui est mon temps. Là, t'es pas mal, t'es vraiment pas mal. Hein. Tout à l'heure, t'avais perdu 4 secondes ici. Ah, enfin, j'ai loupé à la fin. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Et attention, attention, hein, il gratte du temps, hein, Cassor. Très rapide ici, hein, dans ses virages. Il les prend à la corde ici, c'est pas mal. Il va les gratter un petit à petit, peut-être. La première seconde d'avance pour Cassor. Et non, ici, tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps. Allez, non, moi, Cassor qui va peut-être réussir à le faire ici. Et mec, mais deuxième fois, quoi. Et c'est assorti, hein, dans les sapins. Exactement la même. Allez, tu as encore 20 secondes pour battre Jules. Deux fois la même. Allez, concentre-toi, tu peux encore le faire. On a donc 2.39. Le temps de Gibbs. Cassor, sur le dernier saut, Cassor. Il te reste 9 secondes pour battre Gibbs. Il faut pas se louper. Et 2.34.02, Cassor qui prend le meilleur temps. Waouh. 2.34.02. Pour l'instant, tu es chaud, Cassor. Mais mon petit doigt me dit que tu peux encore améliorer ton temps. Tu as 3 minutes pour battre ton temps. Et c'est maintenant que ça va se faire. Oui, il est possible qu'on fasse une autre saison sur Trackmania, mais pas tout de suite. Déjà, il faut que je trouve le jeu pour la troisième saison. N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de jeu, dans l'espace commentaire ou dans le chat. Qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, bah je me suis loupé comme avant. Hein. Mais ça va. C'est perte de vitesse. Hein. C'est mieux réceptionné quand même. En fait, si tu veux, dans les loopings, tu peux mettre la caméra en 3 sur le pavé numérique. Ce qui t'aidera à les faire. En gros, je l'ai la première personne, c'est ça, non? Oui, exactement. Et Cassor, pour l'instant, qui a les deux meilleurs temps sur ces deux premières maps. Attention, c'est négocié par Cassor. Attention, on slide. Non, c'est pas. Ça part pas en slide. Le petit dérapage ici qui va certainement. Faites bien, Cassor avec quelques centièmes de retard ici. Tu perds encore un tout petit peu de temps. Le wall hit ici. Et une seconde de retard pour Cassor. Et tu m'as l'air chaud quand même. Tu m'as l'air assez chaud. Oh là 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 là. C'est dramatique. Ah putain, oh, ouais, Cassor, là, ça me baisse, je pense. Ah là, tu as perdu au moins 2 voire 3 secondes. Et c'est donc 2 secondes hein, qui sont perdues ici sur cette petite erreur. Ce petit saut. Est-ce que je reset tout de suite ou pas? Hasardeux. Bah, dis-toi que j'arrête pas de perdre du temps, mais mec, mais le truc dans les sapins me fait tellement perdre de temps deux fois en fait que. Ouais,
vrai que c'est compliqué. Genre là, les deux secondes, je les rattrape tellement si je loupe pas le sapin, tu vois, faut encore louper. Hein. Allez, on verra. Ouhou. On va voir ce que Casseur va pouvoir faire. 3 secondes. Hein. De retard accumulé. Allez. Allez. Allez, Casseur. Voilà, une dernière, allez, let's go. La toute dernière là du coup. Alors, il va essayer, hein, la terre des derres. Dernier essai. T'as encore 50 secondes, tu peux revenir en arrière. 12 minutes maximum pour finir les cartes. Alors. Allez, Casseur qui gagne du temps. Sur le looping, va-t-il se foirer comme tout à l'heure? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que j'aurais mal passé une seule fois, mec, en fait. Hein, genre, il, ouais, a sa... ouais. Il a sa méta, lui, hein, sur les loopings. Holy shit, mec. Oula, 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 oula. Attends, je vais heurter le mur ici. Et c'est dommage, hein, à l'entrée de ce grand virage, ça te fait perdre beaucoup de vitesse. Allez, le virage à la corde ici. Le boost et une seconde d'avance pour Casseur, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, ça m'a l'air d'être une bonne réception ici en plus. Et là, Casseur qui prend des secondes précieuses. Est-ce qu'il ne battrait pas mon record qui est de 2 minutes 28? Est-ce qu'on va voir 1 seconde 40 pour l'instant pour Casseur en termes d'avance. Une 64, ça grappille, il est rapide. C'était compliqué ce virage, attention. Est-ce qu'il a trop freiné? Non, il va pouvoir passer ce jump. La réception parfaite ici, 1,80 d'avance pour Casseur. Le checkpoint qui est passé, 2,19 d'avance, il continue à venir gratter ce temps, à venir gratter mon temps. Alors là, il y a 2 secondes d'avance sur mon temps. Donc ça équivaut à, je dirais, plus de 5 secondes d'avance sur ton temps d'avant. C'est quand même pas mal. Tu vas peut-être pouvoir nous décrocher un joli temps ici. Casseur, attention. Casseur hein, qui a passé 10 minutes, qui ne peut plus retry. Donc la moindre erreur et la prestation s'arrête net. Voilà. Merci à toi. Comme un incroyable talent. Bon allez, allez. Allez. Casseur, on y croit. On te souhaite de réussir. Casseur qui freine. Casseur qui freine. Ça m'a l'air pas mal. Putain, attention, enfin, mec. Attention, ça a l'air pas mal. Casseur qui va peut-être battre ce temps avec 7 secondes d'avance. Il faut pas se retourner. Non. Non, Casseur. 11 secondes 20. Non. Tu ne peux plus. C'est terminé, Casseur. C'est terminé. Il est déçu. Je t'avais mis 7 secondes, mec. Waouh. Alors là, waouh. On applaudit Casseur chez vous, s'il vous plaît. Ouah, dommage, mec. Mec, ce truc-là, je le passe 20 fois. Genre, je le passe 20 fois sans souci. Et la seule fois où je réussis, je te mets 7 secondes sur ton temps. C'est vrai. Et je baise. C'est vrai. Oh, les mec, boules. Mec, tu fais un petit... Alors, ce qui est drôle, c'est que là, tu t'es pris un petit sapin. D'accord. Et dans la prochaine map... Y'a que ça, non. Y'a que ça. Donc, on verra. Comment Casseur va réagir face à la map du Marais Salant. Mec, j'aurais pu mettre 10 secondes sur mon score précédent, quoi. Facile. Tu aurais pu. Voilà, un grain de sel. Exactement. Voilà, la map du Marais Salant, ça t'évoque quoi, cette map? Putain, là. Tu as peur? Rage, là. Tu as peur? Eh bien, écoute, Casseur, je te souhaite le meilleur pour cette map. J'espère que tu vas être à la hauteur de la carte Marais Salant. Et c'est parti. Notamment, enfin... Tu as quand même déjà les deux premiers temps. Ouais, mais bon, mec, là, genre là, le dernier, j'aurais pu enculer tout le monde, en fait. C'est vrai. Et quand j'ai dit que Casseur était chaud, Casseur, je le voyais. Hein. Je le voyais tellement top 1 de cette saison 2. Pour moi, c'est top 3 minimum. Voire peut-être un top 1. Ça va être drôle. Ah, putain. Ça va être drôle, ah, non. Est-ce qu'on a des temps à donner? Oui, on a des temps à donner. Alors, Valouz, 6 minutes 12, son premier essai. Jim, 4 minutes 02, donc c'est le meilleur temps. Jill, 5,54. Alde, il n'y a pas de chance. Attends, il a fait combien à Jules? Jules, il a fait 4,02, c'est pas mal. Ah oui, ça fait pas mal sur 10 minutes de. Et on a Chap en 5,05. Statistiquement, il y a moyen qu'il loupe la troisième, c'est vrai. On va voir hein. Ici Casseur qui pour l'instant est devant sur les deux premières maps. Sur la troisième map, on va voir ce que ça va donner. Mec, je vais beaucoup trop vite, hein. Je m'en bats les couilles. Hein. C'est pas grave. À quel moment tu te dis, tiens, je vais tous les enculer, je mets des trucs comme ça.
Ouais, super. Ah d'accord, ah, c'était même pas le premier en plus, d'ailleurs, nice. Et non. Y'a même pas de checkpoint en plus. Ah tu sais qu'il y a un gars à la PGW, hein. Il a fait 10 minutes sur le premier checkpoint. Ah ça va. C'est pas dégueu, hein. Ça va, pour meubler, c'était pas compliqué du tout, tu sais. Alors notre ami qui est perdu, hein. Hop là, hop. Allez, on perd bien du temps, ça fait plaisir. Je pense que des petites secondes comme ça, c'est pas ce qui importe sur cette carte. Il faut essayer de la finir déjà. De pas reboot, tu vois. Alors attention, Cassor qui va passer, hein, qui va être face à son premier checkpoint ici. Ok, fallait prendre de l'élan, encore nice, merci. Alors. Ah, 2 minutes déjà, ça fait plaisir, hein, c'est que. Allez, pour l'instant, un départ classique, hein, de la part de Cassor. Voilà, premier obstacle classique aussi, hein. Ouais, ça passe, hein, normalement. Attention, hein, Cassor, confond pas vitesse et précipitation. Ah, oh, c'est joli ça, il l'a placé. Waouh, je l'ai placé. Alors, attention, prise d'élan qui a été pris. Voilà, par Cassor qui passe le point checkpoint avec 4, près de 4 secondes. What the fuck, mec? 4 secondes. Ah, d'accord, oh là là là. Là, tu peux être la vue en 3 si tu veux. Oh non, ça va. Ça va. Bon, il nous dit c'est ok. Quel moment tu te dis, tiens, je vais faire passer dans la flotte? Moi, je me suis dit, c'est sympa en fait. Ah, c'est vrai qu'on s'amuse. Je me suis dit, j'ai jamais. Non, je me suis dit, j'ai jamais vu une map avec des. De la flotte? De la flotte. De la water. En fait, là, il faut savoir, si tu te prends le moins de grain de sel, comme celui-là là, que tu viens de faire. Ah, ouais. Et bien, baisé. C'est. Tu flottes en gros ou. Tu te retournes. C'est la punition. Allez, Cassor qui passe. C'est un checkpoint. Le ça. Deuxième checkpoint, voilà, ici. Qui passe, hein, dans un bac de sel sans eau, parce que voilà, l'eau de mer s'est évaporée. Et il a laissé, voilà, ces petites particules de sel. C'est beau le sel. Tu mets beaucoup de sel dans tes plats ou pas? J'aime bien le sel, j'adore le sel. Ah, attention, Cassor. Cassor qui prend un très bon temps ici. Hein. Là, tu aimes bien ces résidus de sel là. Là, Cassor qui perd du temps ici. Les bonnes manœuvres. Exactement. Avec la charrette là. Exactement. Alors attention, 4 secondes 33. De retard pour l'instant. Oh, 1,40. Oh, Cassor qui est devant pour l'instant. Où allez-vous là? À gauche. Oula, holy shit, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah, pas que je l'ai même pas vu, mec. Je l'ai même pas vu. Alors, attention, Cassor. Qui évite le trou ici, c'est pas mal. Cassor qui paraît pas mal. Et plutôt chaud. Sur ce premier try, sur cette carte, alors va-t-il se rappeler un petit peu de la trajectoire à prendre? C'est ce qu'on va voir ici. Ah, déjà, il fallait là. D'accord, pas mal. Alors, attention, Cassor. Et Cassor, t'es plutôt chaud là. Oh la RNG. Cassor qui perd du temps ici, c'est dommage. Je suis bien déçu quand même. Hein. JB qui nous place un petit trop de sel, c'est mauvais pour les artères. Allez, attention, Cassor qui va retenter la réception sur le plein incliné. Et ça passe plutôt pas mal. Allez, on a les 3 minutes, hein, qui approchent du côté de Cassor. Le temps de Jibs, si j'ai pas de bêtises, c'est 3 minutes. Ouais, tu allais où là? Ah d'accord, okay. Oh putain de merde. Ok, on a le temps de Jibs ici, 4 minutes 02. Tu as 1 minute d'avance pour l'instant, Cassor. Attention, Cassor qui tente. Est-ce que Cassor ne va pas tomber? Et donc Cassor qui prend le meilleur temps sur cette troisième carte. 3 minutes 16. C'est extrêmement rapide. Ah, c'est dingue, hein. Moi je trouve ça dingue. J'adore ce que je propose en fait. Donc 3 minutes 16, j'ai pas vu les centièmes. Si quelqu'un a les centièmes, hein, sur le chat, hein, pas sur, wow. Sur le stream. Hein. Waouh, pas mal, Cassor. Au final, est-ce qu'on s'en battrait pas les buts en des centièmes? Vu que j'ai réexplosé le même record en fait, tu vois. Genre... ok, allez, bon, ferme. Hey ferme bien ta gueule. Okay. Très rapide, hein. Très rapide ce Cassor pour l'instant qui prend les 3 meilleurs temps. De toute façon, ce que je disais à Valouz et à Quev, c'est l'objectif, comme dit, ce que je te disais, c'était juste de battre Jules, tu sais, parce qu'il y a cette espèce de petite guerre, genre Jules qui dit oui, je ne peux pas être battu par quelqu'un qui écrit des papiers. D'accord. Oui, mais le but, c'est que justement, je suis rédacteur judo, parce que j'aime le jeu vidéo et que je joue à beaucoup de jeux vidéo, tu vois, alors d'accord. Que c'est des one-trick pony tryharder de merde, tu vois. Et tu peux prouver que. Ah, c'est dommage. Tu peux prouver que, voilà, j'ai la connaissance du jeu vidéo,
même si tu n'excelles pas, tu vois, dans ce jeu vidéo-là, tu sais que tu connais les mécaniques, parce qu'au final, c'est un jeu de course, les mécaniques sont les mêmes, tu vois. Donc l'objectif, tu vois, c'est la petite guéguerre qu'on avait déjà avec Jules à Mario Maker, tu vois. C'est juste de battre Jules, tu vois. Donc pour l'instant, 3 sur 4, ça va, tu vois. Ah, je suis content. Ouais. Ouais, le bon sapin, là, allez. Bah, logiquement, il pourra plus te battre, toi, au classement. Je vais devant lui sur 3 cartes. Ouh. Allez, attention. Kazor, tu perds un tout petit peu de temps ici. Tu avais passé ça en 4 secondes tout à l'heure. En 3. Ça, c'est mon temps, ça? Il se passe quoi là? Non, c'est pas ton temps. Allez. Ah oui, d'accord, dès que tu te prends un truc, tu voles pendant 20 secondes en fait, c'est ça là. Oui. Et oui. Alors ici, hein, tu vas perdre un petit peu de temps. Tu as fait 3-16. Moi, mon meilleur temps, c'est 3-04. Ouais, 3-04. Et l'améliorable. Et dans cette map, il y a des cuts. Il y a des cuts que. Oh, je préfère pas. Tu préfères pas tenter. Non. Je sais pas. Enfin, il y a des mecs à la PGW qui ont tenté des cuts. En fait, je les ai pas vus sur le premier chemin, tu sais. Donc. Enfin, je pense voir où il y en a un. D'accord. J'ai un moment avec l'espèce de bac, je pense qu'on peut cut à droite. Je suis pas sûr du tout, donc je vais pas tenter plutôt. Okay. Enfin, j'ai pas essayé de tenter. Là, j'ai perdu masse temps aussi. Hein. Compliqué tout ça. Allez, regarde, tu récupères rapidement ton temps ici. Regarde, et Kassor qui va peut-être hein, pas tarder à passer devant. Et ça prend l'extérieur de ce checkpoint. Oups. Fais gaffe, hein. Parce que si le checkpoint est loin. Ah, ça m'a l'air ok pour l'instant. Et ces cartes hein, que je vais mettre à disposition une fois que le setchal sera terminé. T'es vraiment trop bon toi. À gauche. Kassor qui a oublié le checkpoint. C'est dramatique. Oh non, sérieux. Qui a oublié le checkpoint. Et là c'est dramatique mec. C'est le checkpoint tout en haut. Bon bah, je pense que là. Est-ce qu'une dernière fois je peux du Allez, coup vas-y, avec vas-y, le battement vas-y, là vas-y, vas-y. C'est compliqué mec, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. J'ai l'impression de faire un bon run et je fais ouais bah cool. J'aurais dû te laisser juste pour te. Le mec fait, bah arrive alors, à la fin. Bah alors mon temps pourquoi il marche pas? Ça aurait été trop drôle. Pourquoi j'en ai parlé? Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Ça aurait été tellement drôle. Alors. Ouh, pas mal. Oh, il va doucement. Avec précaution. Ouais, parce qu'avant je me suis un peu fait. Ah bah voilà. C'est bon, c'est ok. Allez, Kassor, hein, qui préfère prendre cette vue là. Chips qui te taunte un petit peu. Hein. Alors, ouais, j'ai une connaissance du jeu vidéo MDR. Ah, pour l'instant, hein. Coupé le checkpoint. Pour l'instant, 3-0. Hein. Ah oui, et eh oui, et eh oui. Alors, attention, hein, dans 20 secondes, tu prends plus retry. Kassor qui sait bien faire les brutales. Attention, ici il y a du temps à gagner. On voit que tu prends beaucoup de temps aussi, sur mon hein. temps. Alors regarde, parce que là tu vas passer devant. Tu vas passer devant. Voilà. C'était obligé. Avec Kassor qui va avec précaution. Et sympa précaution ou pas? Plutôt ouais. On s'est fait une petite pizza l'autre soir. Plutôt sympa. Chorizo poivron. Hein. Chorizo. Un truc qui a pas du tout ensemble. Eh bah écoute, aujourd'hui tu vas rajouter un petit peu de sel sur ta pizza. Et tu ne peux plus retry, c'est terminé, tu vas passer le cap des 10 minutes. Kassor qui a pour l'instant le premier temps de cette challenge sur cette map, il va tenter de l'améliorer, attention. Ce serait pas un checkpoint là-haut quand même. Ce serait pas un checkpoint par hasard. Bah alors, qu'est-ce que... Mais en plus c'est que je suis passé là tranquillement, genre je me battais les couilles, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette arche quand même, hein. Ce serait pas un checkpoint. Oh bah dis. Attends, il est où le trou là? Ah, d'accord. Oula, voilà, t'as failli le prendre. Attention, tu n'as plus le droit à l'erreur, Kassor. Et il est devant mon temps pour l'instant. Il est devant mon temps qui est 3-0-4. Son temps, lui, c'est 3-16. Attention, faut pas se retourner. Ouais, Kassor, avant, hein. Il faut pas se retourner, il faut aller au bout. Ça m'a l'air pas mal. Oh non, ah non. Allez Putain, il est deux fois, mec, deux fois,
putain, deux fois de suite. Dommage. J'encule le temps. Dommage. Je me fais avoir. Putain, c'est non. Dommage, il t'a manqué pas grand chose hein. Là-dessus. Un petit peu de RNG, malheureusement, qui n'est pas passé pour toi. Néanmoins, pour l'instant, tu as les trois meilleurs temps. Ces cartes. J'en ai marre. La quatrième carte, très rapide. Hein. Oui. Elle a été validée en 1-0-2 à la PGW. Avec cut. Sans cut. Le meilleur temps ici, c'est Valouze en 1-17. Je te souhaite. En 1-17. Le mal. Meilleur. Et attention, c'est parti. Putain, mais non, mais putain, mais Zoulou, quoi, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Mais deux fois, quoi, sur deux maps. Dommage, hein. Ah bah, choqué et déçu, là, de ma propre présentation. Ah, choqué et déçu. Hein. Ah, choqué et déçu, hein. Oula. Quoi, t'as déjà fait celle-là? Comment? T'as déjà fait oui, celle-là? Bon, dis, bah. Ah, je peux te dire, la PGW, j'ai eu des champions. Ah, le petit Bruno, 10 minutes sur la. Sur le premier checkpoint de la troisième map. Attention, hein. Castor qui innove dans la façon de passer et d'aborder cette carte. Où est-ce que ça va passer? On s'est calculé. Ça m'a l'air calculé tout ça. Dommage. Au bout du coup, toi. Dommage, tu testes. Oui, ça a été annoncé hier. Briggles qui arrête sa carrière de streamer. De streamer. Et qui souhaite reprendre ses études et donc qui nous quitte sur Eclipse. Alors, allez, attention, Castor qui est prudent. Dommage, il manque un petit peu d'accélération ici. Est-ce que Castor va être capable de prendre les 4 meilleurs temps sur chacune des maps de cette Essential? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Oh, ça me paraît pas mal. Ici, attention. Est-ce que Castor n'est pas trop rapide? Est-ce qu'il va réussir à retomber sur ses roues? Ça me paraît pas mal. Attention, on a un bon try ici du côté de Castor. Et Castor. Il putain doit avoir, il doit avoir un truc. Ta voiture, c'est une tartine de confiture, quoi. Elle tombe toujours du mauvais côté, quoi. Au bout d'un moment, ça casse les couilles, quoi. Ah bah là, ça le brise bien, là, mec. Hein. Au bout d'un moment. Oh, allez, hop là, on s'en bat les burnes, hein, total. Hein. Ah, le pot de confiture de nouveau. Ah, c'est 1-14 le temps de Valouze. 1-14. Valouze, tu as raison. Valouze, cette fois-ci, tu as raison. 1-14. Est-ce que tu penses faire mieux là? Non. Et on a Gibbs en 1-47. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge, attention. Ouais, plutôt une bonne réception ici hein, de la part de Castor. Ah, c'est le premier checkpoint ça. Premier checkpoint. C'est quoi ça? Oh! Oh! Allez, la RNG, je t'encule là, pour une fois là! C'est vrai que pour une fois, t'es pas mal là. Attention, tu vas tout doucement arriver hein, au point peut-être le plus compliqué de cette carte. Ah bon? On va voir comment tu vas réagir. Ah bah, comme un gros bourrin. Hein. Oh! Oh! Dommage! Oh, tu recommences de. Ah merde! Oh, le con! Attention, Castor, il te reste 7 minutes. Dans cette Essential. Ouais, pas mal. Ah merde, c'est. Oh, mais quel débile. Wouhou. Ça peut le faire quand même. Ouais, ça va le faire. Bah, ça marche. Regarde. Oh, attention. Castor, tu veux nous faire le spectacle. Et voilà. Oh, oh. Oh, le pro. Merci. Oh, le pro. Incroyable. C'est calculé. Le gars, il se remet droit. Il se remet dans l'axe et tout. C'est incroyable. Là. Et non, plutôt une bonne réception ici du côté de Castor. Et 5 secondes derrière le meilleur temps de cette carte qui est en 1-11 pour l'instant. Enfin, c'est moi qui l'ai validé. Ok, donc là il faut. Ok, je vois un peu le délire du coup. Ah merde, oh, c'est là. Ouh, c'est loin ça. Ouais, c'est loin. Oh, arrêtez avec les hauts la chatte. Hein. Je me suis fait baiser sur des trucs. Genre, à peu près les mêmes avant, tu vois. Et là pour une fois que ça marche. Oh le chat. Oh, ça me paraît d'être. C'est court. Oh, l'ichi, je me suis encore planté de touche. Allez, attention, Castor. Est-ce que Castor va rechatter? C'est ce qu'on va voir. J'essaie d'aller dans le bon sens de nouveau là. Voilà donc. Ah, bah non, coupé. D'accord. Allez, ça avait bien fonctionné tout à l'heure.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin là, Castor. Avec concentration pour Castor, le temps qui tourne, hein, le chrono qui tourne, 4 minutes 30 pour l'instant. Donc il te reste 5 minutes 20. Maintenant, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Castor qui nous fait le show ici. Castor qui va se retrouver dans la bonne position ici pour passer en plein milieu de ses trous. Ça me paraît ok. Bon, il perd un petit peu de temps sur la réception. 2 minutes 27. 2 secondes 27 de retard pour l'instant pour Castor. Ça va très loin. Ça va très très loin. Très bonne réception. Castor qui arrive à gratter un petit peu de temps. Attention. Pour l'instant, il n'a jamais réussi à replaquer ce saut. Va-t-il réussir? Maintenant, ça me paraît plutôt pas mal. Et Castor qui va valider un nouveau checkpoint. Attention, c'est la dernière difficulté de cette carte. Castor, pour l'instant, 54 secondes. Oh! 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 Allez, stabilise-toi. Ça. Oh! Oh, Castor, peut-être! Une 14, c'est le temps de Valouz à battre. Attention! Attention, Castor! Il te reste 4 secondes! Il te reste 2 secondes! Dommage. C'est bon, on est pas mal. Une 15-24, c'est bien. Une 15-24. J'ai capté le truc, c'est bon là. Valouz garde sa première place pour l'instant. Est-ce que Castor va être capable? Ouais, oh là, ah, Castor, t'es chaud. Je sens bien là. En fait, je me souvenais plus du tout sur la vidéo, tu sais. D'accord. Donc là, à la fin, j'étais genre un peu. Bon, alors il va encore me mettre un gros stop à la fin de mort, tu vois, et finalement, pas du tout. T'es un bonhomme. Là, hey, tu m'as l'air pas mal là. Ah. Ça perd un peu de temps quand même ici. Reviens au checkpoint. Voilà. Bon, c'est dommage, t'as perdu du temps. Ah, Valouz qui a eu peur. Valouz qui a eu peur jusqu'au bout. Allez, attention. Tu connais cette carte. Tu sais comment le faire maintenant. Est-ce que ça va suffire? Oh, ça replaque bien, mais attention. Castor hein, qui cumule quelques petites secondes de retard. 6 secondes de retard pour l'instant. Ah, mon meilleur chrono, c'est une 7. Et non, pas deux fois Castor. Il te reste 3 minutes. 3 minutes, ça équivaut à 2-3 essais maximum. Oh merde. Là, ça dérape. Mais non, on va dire que c'était calculé. Oh, Castor qui fait le show ici. Ah, c'était calculé ça aussi, hein. C'était calculé apparemment. Castor qui se remet bien. Oh, le petit sourire. Le petit sourire sur les lèvres de Castor. 3 secondes 80 de retard. Est-ce que ça a passé sur ce saut? Non, bon, ça devrait le faire. Attention. Ça replaque plutôt pas mal. Et Valouz, hein. Valouz qui est fair play, il faut l'admettre. Il est bon. Mais est-ce qu'il est assez bon pour te battre, Valouz? C'est ce qu'on va voir. Attention. Attention, faut pas se louper là maintenant. Si jamais Castor arrive à passer ce checkpoint du premier coup, oh merde, oh là là. Il peut prendre le meilleur temps. Est-ce que ça va pas être un petit peu court? Est-ce que ça va pas être un petit peu court? Attention! Oh! 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 Et le. Oh! Oh! Il y en a derrière? Oh non, il y a un truc à prendre. Oh non, 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 non. Oh! Non! Non, non, mais non, non, non! Et le checkpoint qui c'est a bon été validé! C'est bon! C'est le meilleur oh temps! Et boum! C'est le meilleur temps! Il a appuyé! Une 14-08, une 14-08, mieux, allez! On mieux! Oh, le checkpoint qui a été validé quand même! Une 14-0. J'étais persuadé que ça n'avait pas été validé! J'étais persuadé! Wouah! Je pensais qu'il l'avait pas pris. What the fuck? Valouz en sang. Moi je montais sur un château et tout, hein, je m'en battais les couilles mec. Ah ouais. Genre... c'est vrai que mais c'était pas mal. Attention, Castor va-t-il réussir à améliorer son temps? Je crie au cheat. Il est déçu, Valouz. Alors attention. Attention, Castor qui a peut-être encore une fois amélioré son temps.
Et attention, et cette fois-ci, il n'y a pas de contestation possible. Cassor pour le meilleur temps de cette quatrième carte de cette challenge. Une 08-42, il est bouillant. Une. Attends, c'était combien? Une 08-42. Une. Une 08-42, oui. 08-42. Tu es un petit peu en retard, hein, sur mon temps encore. Waouh, Cassor, pas mal. Allez, ton dernier. Allez. Ton dernier retry. Il va tenter de battre ce record. Allez, c'est pas mal, la Cassor qui se remet droit. Il va tenter hein, de battre son record. Oh, ça tape juste un petit peu et là tu perds sur la précieuse. Alors, par contre, il peut largement gagner mec, encore. J'ai tellement les boules pour les la troisième et la deuxième et troisième map. C'est mec. Vrai. Oh, tu penses que j'aurais pu mettre une minute sur la trois, enfin non pas une minute, mais genre tellement de temps mec sur celle d'avant ouais. En fait. Genre la c'est salière vrai. Là. C'est oh, vrai, c'est j'avais genre 30 secondes d'avant, je pense, tu vois. C'est vraiment dommage. Attention, Cassor, néanmoins, qui va tenter de battre son record. Attention, le petit coup de frein à l'entrée de ce saut. Est-ce que ça va suffire? Ah, on n'est pas droit. Ah, on n'est pas droit. Ah, on n'est pas droit du tout. Ça ne passera pas. Cassor, on t'applaudit pour l'exécution. Dead, oh ah bon ah oui, tu peux, oui. Bon, du coup, là, malheureusement. Ok. Pas grave, mais tu as encore validé un joli temps ici hein, quand même. Néanmoins, c'est vraiment pas mal. Wouhou. Ok, il n'y a plus de. Allô. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Et Cassor, hein, qui donc prend le premier temps de cette challenge. Félicitations, Cassor. Pour l'instant, tu es la tête à abattre dans cette challenge. Tu l'avais été longtemps aussi, hein, saison 2. Ah, Mario Maker, ouais. Bah ouais. Ah, Mario Maker, tu l'avais été longtemps. En gros, jusqu'aux 3 derniers arrivent à peu de choses près, quoi. Hein, genre. Comment jusqu'à ce que les 3 derniers arrivent à peu de choses près, quoi. Quoi, va exploser le record. DFQC mis entre et ça court aussi après. Ok. Ah. Et bien voilà, écoutez, c'est tout hein, pour ce midi. On se retrouve demain, 13h, 14h, pour la nouvelle Exocia Challenge. Il y aura de nouveaux participants, forcément. Bah oui. Peut-être que tes records vont tomber. Ah, bah j'espère. Ça me paraît compliqué. J'espère pour le beau jeu, j'espère hein, qu'ils vont ça tomber. Ça me paraît compliqué. Mais Trackmania, c'est un jeu quand même que beaucoup de personnes ont déjà joué il y a longtemps. C'est ça en suffit fait. Que le mec retraille un petit peu, analyse en les fait, cartes. En fait, ça, tu regardes genre les deux. Enfin, le training, j'étais à la rue. La première map que j'ai fait avec les roues libres, j'étais au fond, tu vois. Mais en fait, c'est une question. Après, enfin, c'est comme le vélo en fait. Hein. Et après ça, ça s'est bien passé. Ouais. On voit ton petit. Bon, un petit peu déçu quand même sur les. Bah, c'était ouais, du coup la 3ème et la 4ème, tu vois, où j'avais. Enfin, genre la salière là, mec. Genre. Le marais salant. Le marais salant, genre, franchement, je mettais 30 secondes à mon temps, je crois. Et là, le petit sapin de mort, les. Ah, bah non. Mais bon. C'est dommage. En tout cas, voilà, merci à toi, Cassor, d'être rendu disponible pour cette chaîne. Retrouvez tous hein. Les VOD sur la chaîne Eclipsia Family. On se retrouve à 18h pour la petite émission. Ciao.